Aubrey. Des nouvelles de votre sœur? Non. Je suis inquiète. Elle aurait déjà dû me contacter. Le confinement doit aussi bloquer ses transmissions. Elle doit aller bien. Et... est-ce le bon moment pour vous demander comment Ludwig connaissait votre nom? Il m'a peut-être prise pour quelqu'un d'autre. Je préfère ne pas y penser. Mais... il connaissait quand même votre nom. Il doit donc être un peu... au courant de ce qui... Aubrey, au secours! Je m'en occupe! Tenez bon! Ça bouge encore, Aubrey! Arrêtez le wagon! J'essaie! Aubrey! Sautez! Sautez, Rose! Merde! Rose! Vous allez bien, Rose? C'est pas passé loin. Oh, Dieu merci! Dieu merci! Merci, Aubrey. Ça aurait pu mal finir. Une seconde de plus et... ouais. Alors, où suis-je? Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? La mauvaise en premier, toujours. Bon, alors, je pensais pouvoir vous guider jusqu'à votre sœur au labo de biologie, mais de toute évidence, ça n'arrivera pas. La bonne nouvelle, c'est que je sais précisément où vous devez passer pour y arriver. Et que je peux vous éclairer un peu. Une lumière au bout du tunnel. Vous avez compris? Bref, suivez le tunnel jusqu'à la station suivante. C'est assez simple pour moi. Je vais aller vers la lumière. Génial. De mon côté, je vais réparer deux ou trois choses. Je reviens dans un moment. Tu vois, Benny, je t'avais dit qu'elle y arriverait. Allez vers la lumière. Rose, vous avez réussi? Aubrey, oui, je suis à la station. Où est-ce que je vais maintenant? Vous êtes au labo de technologie. J'ai déjà redirigé l'énergie vers la section dans laquelle vous allez entrer. J'ai pris la liberté de mettre en surcharge quelques portes pour mieux vous guider vers les labos de bio. Vous n'avez qu'à suivre le courant. Mais n'oubliez pas que je n'ai pas pu toutes les avoir, alors soyez prudente. Ok. Il y a autre chose que je devrais savoir sur cet endroit? Eh bien, qu'il ne sera probablement pas joli joli, donc bouchez-vous le nez. Benny sentait mauvais quand il était en vie, mais la chair en décomposition, c'est un tout autre niveau de puanteur. N'est-ce pas, Benny? Hein? Tu sens la mort, quand même. C'est assez morbide. Vous êtes sûr que tout va bien, Aubrey? Je me sers du bras détaché de mon meilleur ami pour me gratter le dos. Bien sûr que non, ça ne va pas. Continuez à traverser les labos de technologie. Je reviens dans un moment. Ah.
vision spectrale me donne la chair de poule. Tu dois sacrément avoir foiré ton expérience de voyage dans le passé pour apparaître comme un fantôme dans le présent. Nous avons fait saigner le temps. Tu peux tout régler. Je ne crois pas, non. Donc, un sabotage a déclenché la quarantaine. Quarantaine qui n'est pas parvenue à contenir le danger. Soit. Malgré tout, il y a trop de corps ici pour être le résultat d'un seul psychopathe fou. Il manque quelque chose. Comment ça se passe, Rosie ? Et quel est donc ce bruit assourdissant ? À ce sujet, vous pourriez éteindre cette machine à éclair au-dessus de moi ? Ah, oui, je vois quel est le problème, mais... Ah, désolé, Rose. Ça ne répond pas à mes commandes. Super. Alors je fais quoi ? Ce que vous savez faire de mieux, ma chère, courir. Mais cette fois... Il vous faudra aussi éviter les éclairs. Et il n'y a pas un moyen d'éteindre ce truc d'ici ? J'allais y venir. En bas, il y a deux commandes manuelles d'urgence. Vous allez trouver deux panneaux. Il faudra les activer tous les deux. Ça devrait calmer la bestiole illico. Je reviens dans un moment, Rosie. Ce bruit donne des maux de tête à Benny. Thank you.
réponds, s'il te plaît, Rose. Ada ? Rose ! Oh Dieu merci, tu vas bien ? Je vais bien, je vais bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais morte d'inquiétude. Mes transmissions étaient brouillées, mais j'ai trouvé une solution. Je suppose que Nicolas t'a enfermée, toi aussi ? Ouais, mais je suis sortie. Je suis presque au labo de bio. T'y es toujours, pas vrai ? Quoi ? Tu as pu échapper au confinement ? Comment ? C'est ce type, Aubrey, qui m'a aidée. Il est coincé, lui aussi. Et il m'a sauvé la vie. Alors il faudra qu'on aille le chercher avant de partir, je lui ai promis. Oui, bien sûr que oui. Mais d'abord, les recherches. Elles sont la clé de tout ça. D'accord. Est-ce que t'as pu récupérer l'autre moitié ? Non, elle est dans le théâtre. On se retrouve juste après que tu... bloques opératoire. Il a fallu tomber Ada sur une pièce et... Je perds encore ton signal. Ada ! Rose ! Rose ! Je vais garder ça. Quelqu'un a déchiffré le code d'espion d'Edison. Tesla savait-il que des saboteurs étaient à bord ? Thank you.
J'imagine que cette brume bleue est la raison de la quarantaine. L'exo, si je me souviens bien. C'était une des anomalies temporelles. Cette chose a un lien avec le temps. Comment je suis censée comprendre ça? Voyez le temps comme un système biologique. Ces choses sont simplement des anticorps qui nettoient les saletés, à savoir nous. Mais comment vous savez ça? Comment vous saviez qu'il fallait fermer la porte? Eh bien, ils ne sont pas très subtils. Là où va l'énergie exotique, ils la suivent. Pas si dur à manipuler quand on sait ce qu'on fait. Ça fait 3 fois que vous me sauvez. Merci, Aubrey. Donc, savez-vous où votre sœur est coincée dans les labos de biologie? Ouais. Elle est au bloc opératoire. C'est près d'ici? Oui! Vous êtes tout près! J'ouvre toutes les portes que je peux pour que vous y accédiez. Il y a une salle d'observation juste au-dessus du bloc. Vous devriez la voir de là-haut. Bref, allez donc saluer votre sœur. La voie devrait être libre. J'y vais, Aubrey. Merci encore.
Expérimentation animale, contrôle de la météo, manipulation temporelle. Est-ce qu'il y a une étude qui n'était pas menée ici ? Ton vocabulaire. Rose ! Oh mon Dieu ! Ma grande sœur est là ! Ma grande sœur est là ! Oui, en effet. Et nous deux, ma chère sœur, nous fichons le camp d'ici. Alors, comment je te rejoins ? Il y a une porte sur ta droite, un petit couloir, des escaliers, tu ne peux pas les rater. Je descends tout de suite. Ada ? Je n'ai rien fait du tout. Ada ! Sors ! Sors tout de suite ! Je peux pas. Rose, je peux pas. Rose, écoute-moi. C'est bon. Vraiment, ça va aller. Tu es là pour moi. Et pour ça, je t'aimerai pour toujours. Mais tu dois faire quelque chose pour moi. Trouve mes recherches, Rose. Sauve-les. Va au théâtre et trouve le deuxième carnet. Réunis, il renferme la clé de tout. Tu peux tout régler. Promets-le-moi, Rose. Promets-le. Pas comme ça. Promets-le-moi, Rose. Non. Ada. Non. Je te le promets. Je te le promets.